When I say I'm going to start an agency because black people are being taken advantage, I do that. I do just that. Yeah. I never lied to the culture about my intentions or what I was trying to do. I've said it very clear. I'm raping Def Jam. I'm a 100 million man. I told you that. You know what I'm saying? I'm overcharging people for what they did to the cover. I told you I was going to do that. Right. I said it and I did it. Lorsque l'on parle de hip-hop, de fortune et de pouvoir, l'un des premiers noms qui te vient à l'esprit est Jay-Z. En l'espace de 2 décennies et demie, le rappeur de Marcy Project a construit une carrière dans la musique ainsi qu'un empire financier comme il est rare d'en trouver. Aujourd'hui, la fortune de Jay-Z est estimée à plus de 1 milliard $, le plaçant ainsi à la première place des rappeurs les plus fortunés et le 3e chanteur vivant le plus fortuné, tout genre confondu. Pour info, le 2e est Paul McCartney, le chanteur des Beatles, et le 1er est un certain Andrew Lloyd Webber, le créateur d'un bon nombre de comédies musicales. Tu l'as compris, les chanteurs qui sont plus riches que Jay-Z sont très vieux. Ce qui montre à quel point le rappeur est accompli financièrement. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler beaucoup de sa musique, je vais me concentrer uniquement sur l'aspect business et influence, parce que si je parlais aussi de la musique, ça ferait une vidéo extrêmement longue et beaucoup d'informations pour vous à digérer. À chaque étape de sa carrière, on va voir comment le rappeur de Brooklyn a réussi à développer son business et à installer son influence. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 72e épisode du Lifestyle Décodeur. On commence le sujet tout de suite, sans plus attendre, on y va. Dire que Jay-Z avait la cote auprès des maisons de disques depuis le début de sa carrière serait un mensonge. En fait, les maisons de disques le calculaient vraiment pas. La seule grosse opportunité qu'il avait eue, c'est qu'il a pu travailler pour Jaz-O, un rappeur de Brooklyn qui l'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, Jay-Z, ça vient de Jaz-O. Il a travaillé sur le premier album du rappeur en 1989, mais après ça, il n'a pas eu de gros projets dans la musique. Et ça, jusqu'au milieu des années 90. Je sais pas si tu te rends compte, mais Jay-Z était au point mort au moment où Death Row pétait le score, Def Jam pareil, Nas était au toit du monde. Aujourd'hui, quand tu penses à ça, tu dis quand même que c'est un truc de ouf. Et pourtant, les choses commencent réellement à bouger pour lui lorsqu'il fait la rencontre de 2 hustlers de Harlem qui ont envie de se développer dans le monde de la musique. Damon Dash et Karim Biggs Burke. Damon Dash était déjà dans l'industrie de la musique. Il manageait un groupe du nom de Original Flavor. Et en ce qui concerne Biggs, on ne sait pas grand chose de ce qu'il faisait avant de se lancer dans la musique. On sait qu'il organisait des soirées avec Dame Dash sur Harlem et New York en général, mais on n'a pas beaucoup d'infos sur ce qu'il faisait avant. Mais en tout cas, en ce qui concerne Jay-Z, il était là pour financer la carrière de Jay-Z à ses débuts. Donc tout ce qui va être session studio ou encore clip. I was supporting at the time with the lifestyle, you know, so all the things that Jay was talking about at that time, you know, the lifestyle with the cars, the champagne, and the jewelry, the platinum, I kind of brought that to the table, and then Jay was able to take that and put it in music that helped create the Roc-A-Fella lifestyle that everybody gravitated towards. Bon, je pense que tu l'as compris, le garçon n'était pas fleuriste, ok? Je te laisse te faire tes propres conclusions. D'ailleurs, comme tu peux le voir, j'ai eu la chance de l'interviewer, donc n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube pour regarder les 2 vidéos de l'interview de Karim Biggs Burke. Mais avant que Biggs rentre en scène, Dame et Jay obtiennent un deal avec un label, Payday Records, mais cette collaboration est un échec. Jay-Z juge que la maison de disques ne fait pas assez de promotion autour de son tout premier single, In My Lifetime, sorti en 95. Après avoir essuyé un premier échec avec Payday Records, Dame et Jay se lancent à la recherche d'un nouveau label qui serait heureux de travailler avec eux et de notamment lancer le tout premier album de Jay-Z, Reasonable Doubt. Bien heureusement pour les 2 hustlers, ça n'a pas marché. Personne n'était intéressé par Jay-Z au début. Et c'est au pied du mur que Jay et Dame vont prendre une décision qui va conditionner toute la suite, tout le reste de la carrière de Jay-Z. Ils sollicitent donc un 3e associé, le Biggs en question, et montent leur label indépendant, Roc-A-Fella. Ou Roc-A-Fella. I wish I could say we were geniuses and say we're going to start our own company. That's not what happened. You know, in the beginning, we went to every single label and every single label shut their door on us. The genius thing that we did was We Didn't Give Up. Et donc depuis le début de sa carrière, Hove a été obligé de développer de véritables compétences dans l'entrepreneuriat et de comprendre comment le monde de l'industrie musicale fonctionnait. Et en ce qui concerne son label, il a dû à la fois gérer le marketing, tout ce qui est aussi juridique, la production, la distribution, toutes ces choses-là, il devait les gérer et il devait savoir comment tout ça fonctionnait. Contrairement d'ailleurs à ses comparses rappeurs qui étaient au show chez Def Jam ou encore Bad Boy, qui avaient qu'un seul job, qui était de rapper. Par contre, l'avantage, c'est que Jay-Z va comprendre les rouages de cette industrie, ce qui va le permettre de ne pas se faire entuber. Roc-A-Fella's, me, Damon Dash, and my man Biggs. We put it together. We decided, you know, I mean, why do all this work, put all this work in, and then just give all this money to these major companies when we could do it ourselves? Well, we need distribution, and we working on that now. Il finit par trouver deux labels qui acceptent de le signer, Priority Records et Freeze Records. Donc, il sortira Reasonable Doubt sur ces deux labels. Et donc, Jay se charge de l'enregistrement avec la liberté totale sur la création, et Priority Records et Freeze Records sont là pour la distribution. Et donc la distribution, c'est presser les CD et les mettre en magasin. À l'époque, ça voulait dire ça. Aujourd'hui, c'est ça plus le digital, donc le streaming et iTunes. Et le partage des royalties se fait à 50-50. Ce qui est déjà un deal hors du commun pour l'époque, hein. Habituellement, c'est plutôt du 70-30 ou du 80-20. Alors ce premier album, aujourd'hui, c'est un véritable classique, hein. C'est un album qui, déjà pour moi, figure parmi l'un des meilleurs albums de tous les temps dans le rap. Mais à l'époque, lorsqu'il sort, c'est pas du tout un carton commercial. Il ne fait que 460 000 copies la première semaine et à l'époque, c'est vraiment pas beaucoup. Les rappeurs devaient directement être platine pour être reconnus. Et là, tu vois, 460 000, c'est pas énorme. Sans parler du fait qu'il n'avait aucun hit dans le top 100. Mais Jay et ses partenaires ont énormément appris de cette expérience. Cette expérience leur a notamment permis de rebondir et de trouver un meilleur deal plus tard avec Def Jam. Comme je te l'ai dit ici, il ne s'agit pas de parler de musique dans ce LSD, mais je pense que pour cette partie, c'est important de revenir brièvement sur Reasonable Doubt. Quand R.D. sort, R.D. c'est pour ceux qui connaissent bien le projet, c'est R.D. donc Reasonable Doubt, ok. Giga a 26 ans. Quand tu compares aux rappeurs de l'époque qui explosaient, ils avaient en général entre 17 ans et 22-23. Donc quand Jay-Z sort Reasonable Doubt, le niveau de maturité n'est pas du tout le même que les autres rappeurs en fait. En comparaison, Nas, qui a toujours été vu comme l'enfant prodige du hip-hop, Illmatic, son premier album, est sorti lui à 21 ans. De ce fait, Jay-Z a eu l'occasion de vivre des galères dans la rue, dans la musique, et donc sa maturité est beaucoup plus développée. Et donc lorsqu'il a eu l'opportunité de sortir un album studio, il a vraiment pris le temps d'étudier le marché et d'avoir le meilleur deal possible. Et en plus de ça, il a une vision à long terme. Il veut accomplir des choses sur des années et des années, contrairement aux rappeurs de l'époque qui étaient vraiment sur le court terme. D'ailleurs, dans le morceau Kinda Live, qui est extrait donc de Reasonable Doubt, il explique absolument toutes ses ambitions et tout ce qu'il voulait faire. Lock my body, can't trap my mind. Easily explain why we adapt the crime. I'd rather die enormous than live dormant. That's how we own it. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur cet album. Et quand il quitte Priority Records et Freeze Records, Jay-Z et ses gars réussissent à obtenir l'ensemble des masters. Donc à la base c'était 50-50 entre lui et les labels, mais il a réussi à récupérer 100% des masters de Reasonable Doubt. Chose déjà très rare. Bon, avant de continuer, je pense qu'il est important que j'explique ce que c'est un master. En bref, un master est l'enregistrement original d'un morceau. Posséder un master te permet de jouir de l'ensemble des droits venant de ce morceau. C'est-à-dire que si le morceau est diffusé dans un film ou qu'il est samplé quelque part, tu touches des revenus. Et même par exemple si le morceau est diffusé dans un festival, ça aussi ça rentre en compte. Et même dans une soirée, hein, des royalties doivent être versées dans tous les cas que j'ai évoqués. La plupart des artistes que tu vois ne possèdent pas leur master. D'où la raison pour laquelle un bon nombre d'entre eux finissent fauchés. T'as peut-être regardé sur les réseaux sociaux, mais Taylor Swift a pété un câble il n'y a pas si longtemps à cause de ça, parce qu'elle voulait racheter ses masters pour pouvoir vraiment contrôler ce qu'elle a créé. Et tout ça, Jay était déjà au courant au milieu des années 90, si ce n'est avant. You know, and they going platinum, but you ain't feeling it, but the company is getting all that money, you know? Alright, so I'm just waiting. I want everybody to sample with us, you know what I mean? I'll keep going platinum. I'll make records while I sleep. You know what I mean? I make my death jam, the one rentre dans la période entre 1997 et 2004. L'âge d'or de Roc-A-Fella. Alors ça, c'est la période, tu vois, où je regarde les clips de Jay-Z et que je le vois en 3D, tu vois, genre, je vois les clips, je suis là... Qu'est-ce qui se passe? Le niveau de hype est trop élevé. Ah, j'ai jamais vu une énergie pareille. Alors, comment cette connexion entre Roc-A-Fella et Def Jam a pu être possible? Eh bien, en grande partie, grâce à Irv Gotti. Irv Gotti, qui est-ce? Alors, Irv Gotti, c'est celui qui est responsable de ce morceau. Mais aussi de ce morceau. Les connaisseurs l'ont compris, Irv Gotti est le fondateur de Murder Inc, qui a notamment lancé Ja Rule, Ashanti et plein d'autres artistes. Mais avant qu'il lance son label, il était A&R chez Def Jam. Et donc son rôle à lui, c'était d'aller chercher les artistes, de les signer et de les développer. C'est un métier qui est un peu mourant aujourd'hui en maison de disque, hein. Parce qu'en général, on va chercher un artiste quand il est déjà développé, tu vois. Il va donc faire la connexion entre Jay-Z, qui est un pote de longue date, ils se connaissent depuis qu'il a 17 ans, et le boug Lyor Cohen, mon gars sûr, Russell Simmons et Kevin Liles, en gros Def Jam de l'époque. Les choses vont se faire tout doucement. Tout d'abord, grâce à Lyor, N.O. N-Word va devenir la bande-son de Professeur Folding. Si t'es un enfant des années 90, tu connais Professeur Folding. Première victoire pour le label indépendant de Jay-Z qui va pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards. Et surtout, ça va les lancer dans d'intenses négociations avec le label pour une éventuelle signature. Bien que ce soit une grosse opportunité pour Roc-A-Fella, ils vont avoir du mal parce qu'ils ont pris goût à l'indépendance. Et donc, lorsque Def Jam leur propose un premier contrat, ils refusent. Mais ils font une contre-proposition et c'est là qu'ils rentrent dans une négociation. Et c'est grâce notamment au génie de Damon Dash qu'ils réussissent à avoir un partenariat qui est hyper intéressant pour les deux parties. Roc-A-Fella a réussi à négocier un partenariat à 50-50 avec Universal, la maison mère donc de Def Jam, en leur vendant la moitié de leur part pour 1,5 million de dollars. Dans ces 50%, Def Jam a récupéré 25% des parts et Universal les 25 restants. Et donc Universal avait en charge la distribution de la musique de Roc-A-Fella et Def Jam devait couvrir les frais de production. Mais Def Jam touchait que un tiers des royalties. Donc ils investissent dans la production, dans la totalité, mais il touche que un tiers des royalties. Donc c'est super pour Roc-A-Fella. Sans rentrer trop dans la partie technique, dis-toi juste que Jay-Z touchait 3 à 4 dollars, là où un rappeur classique de son époque touchait 1 à 2 dollars. Roc-A-Fella a signé un contrat de 3 albums avec Def Jam, mais le contrat n'a été effectif qu'à partir du deuxième album. Et donc Jay a sorti Reasonable Doubt avec Priority Records et Freeze Records. Ensuite, il y a eu In My Lifetime Volume 1, qui est sorti en 1997, qui est le premier album du deal, puis Acknowledge Volume 2, qui est donc le second album du deal, et qui est accessoirement l'album qui a fait exploser, décoller la carrière de Jay-Z. Et donc Def Jam s'est trouvé dans une situation un petit peu inédite. Là où la plupart des rappeurs commencent à décliner, parce qu'en général au bout du troisième album ça commence un peu à... Eh ben il se trouve dans une configuration où le rappeur devient de plus en plus fort, commence à gagner de plus en plus d'audience, commence à vendre de plus en plus d'albums, remplir de plus en plus de salles. Donc ils n'ont jamais vu un cas pareil. Volume 2, Roc Nation vend plus de 5 millions de copies, sans parler des singles comme Roc Nation, le morceau donc éponyme, qui figure jusqu'à ce jour parmi les singles les plus vendus. Jay-Z a gagné entre 15 et 20 millions de dollars juste sur cet album et Def Jam, eux, ont gagné entre 10 et 15 millions. L'année suivante, le label de Russell Simmons se fait racheter en totalité par Universal Music Group. Et cette performance de Roc-A-Fella a clairement fait monter les prix de ce label. Parce que rappelle-toi, ils possèdent 25% et qu'ils ont gagné 15 millions grâce à Jay-Z. Nice move. Et donc lorsque le moment de renégocier est venu, je peux dire que Roc-A-Fella était à l'aise. Il signe 3 années supplémentaires pour 30 millions de dollars. 30 millions. Et avec ces 30 millions de dollars en plus du succès de Jay-Z, je peux te dire que ça a été assez pour développer l'empire de Roc-A-Fella. et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont développé un véritable empire, ils ont signé beaucoup d'artistes, très talentueux d'ailleurs, comme Memphis Bleek. Bon, ça c'est son talentueux petit frère, donc on va dire qu'il compte pas, même s'il a cartonné. Benny Siegel, la brute de Philadelphie avec tout son crew State Property. Cam'ron, l'enfant prodige d'Harlem avec son groupe Dipset. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez mon amour pour Cam'ron et le Dipset. Ou encore... They try to act like they don't honor the ride. They try to keep their feelings all bottled inside till they get themselves away like a fatherless bride. Kanye West. Et ouais, c'est dans cette période qu'il a commencé à bosser avec tout le label. Et donc, au début des années 2000, Roc-A-Fella, c'est pas juste un label qui héberge l'un des rappeurs les plus chauds du moment, c'est une véritable écurie avec un bon nombre d'artistes qui ont du potentiel et qui cartonnent déjà. Sans même compter Kanye West, t'avais d'autres rappeurs qui faisaient disque de platine. Je pense notamment à Cam'ron qui a fait platine avec Come On With Me. Et sinon, il y avait une flopée de disques d'or avec notamment Memphis Bleek qui a fait disque d'or à plusieurs reprises. Et en parallèle de tout ça, Jay-Z continue à écrire sa légende en remplissant les plus gros stades américains et en sortant des albums qui vont clairement, voilà, faire monter la cote de Roc-A-Fella et lui rapporter un maximum d'argent. Je pense notamment à Roc La Familia qui est sorti en 2000, Blueprint qui est sorti le 11 septembre 2001, truc de ouf, Blueprint 2 et The Black Album en 2003. À cette époque-là, même le roi de la pop est venu dans l'un de ses concerts histoire de montrer que non, Jay-Z, tu es validé. Et le génie de Dame, Jay et Biggs ne va pas simplement se concentrer dans la musique. Ils vont opérer une véritable diversification dans ces années-là impressionnante. C'était rarement vu dans l'industrie du hip-hop. En se basant sur la force de frappe de Jay-Z dans le lifestyle, on va y revenir, ils vont développer une multitude de business. Rocawear, en tête de liste, la marque de vêtements, 700 millions de dollars de chiffre d'affaires à son pic. Roc-A-Fella Films, la boîte de production de films avec notamment Paid in Full, l'un des meilleurs films de gangsters des années 2000. S. Carter avec Reebok, la première collaboration d'un rappeur avec un équipementier sportif pour designer une nouvelle silhouette. Une silhouette d'ailleurs qui était dégueulasse. Mais bon, c'est Jay, tu vois, c'est le début des années 2000, on valide. Ou encore Armadale, la vodka. Leur but à eux, c'était pas simplement de créer un label, non. Leur but, c'était de créer un géant dans l'entertainment qui soit capable d'agir à la fois dans la musique, dans le film, dans le sport, etc. Un petit peu ce que Jay-Z fait aujourd'hui, en fait. On va faire un petit focus sur le business qui leur rapporte le plus d'argent à l'époque, Rocawear. Rocawear is the cornerstone of Jay-Z's massive empire, a global clothing company that rakes in $700 million in annual sales. Au début des années 2000, Jay-Z possède une influence massive sur la culture. Il dicte les tendances à travers ses lyrics ou ses apparitions en public. Par exemple, qui est à l'origine de la mode des maillots de basket ou des maillots de football américain. Jay-Z a largement contribué à ça. Mais c'est également lui qui a tué cette mode en 2003, quand il a chanté Change Clothes. En fait, David Stern, rest in peace, l'ancien commissaire de la NBA, était heureux que Jay-Z dise au départ Change Clothes, car ça allait influencer les joueurs à opter pour des tenues plus conventionnelles, disons. À cette époque-là, il y avait un gros problème avec le dress code dans la NBA. Mais ce qu'il souhaitait s'est avéré très vite être un problème. Parce que lorsque Jay-Z a dit justement que on changeait de fringue, il y a eu une véritable chute dans les ventes des maillots de basketball et de football américain. La mode était terminée. Et donc David Stern est allé voir Steve Stout, un mania de la communication qui est notamment à l'origine de S. Carter et qui a aidé Kobe à faire son premier album rap. Je t'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo hommage à Kobe Bryant. Pour qu'il transmette un message à Jay-Z qui disait... Est-ce que tu pourrais dire à Jay-Z de leur dire de changer à nouveau de fringue, de retourner sur les maillots? Parce que là, bon, on va pas pouvoir gérer toute cette perte en ça. Et s'ils pouvaient aussi remettre des casquettes New Era, hein, ce serait cool. Il y a notre licence dessus. Voilà. Et donc, voyant l'impact que Jay pouvait avoir sur le business de certaines entreprises, Dame, qui est donc son associé, est allé voir des entreprises, des marques de fringues pour leur proposer une véritable collaboration avec Jay, dont Iceberg. Iceberg, c'est une marque qui fonctionnait très bien à l'époque, au début des années 2000 et dans les années 90. Et donc voilà ce qu'il leur a dit, Dame Dash. Bonjour, mon nom est Damon Dash, Dame pour les intimes. Alors je suis le fondateur, cofondateur je dirais, de Roc-A-Fella. Roc-A-Fella, label qui héberge notamment le très renommé Jay-Z. Jay-Z, rappeur multiplatine, hein. Et Jay-Z parle de vous, voilà, il parle de vous, on aimerait bien faire un partenariat, ça peut marcher des deux côtés, échange de bons procédés, de l'argent des deux côtés. Vous en dites quoi? Et la réponse de Iceberg a été non. Et grande gueule que Damon Dash, il a fait « Ah ouais, ok, d'accord, eh, vas-y, tranquille. Eh, vous savez ce qu'on va faire? Eh, je vais lancer ma société et on va tout baiser. Déjà, on va tout baiser et on va vous mettre sur la paille. » Sa tête, elle a tourné, tu vois. Il est passé du grand diplomate au mec de la cité en mode avec des grands signes de main. Et ça a marché, en plus. Avec un coup de main de Russell Simmons, ils ont décroché un contrat de licensing avec des bonnes usines et ils ont réussi à générer, tiens-toi bien, près de 80 millions de dollars en l'espace de 18 mois. 18 mois. On parle bien de l'activité là, 18 mois d'activité. Avec un tel chiffre d'affaires, il faut retourner voir le patron de Iceberg et le gifler avec des billets. Allez, tiens, tiens, prends. Et tu vas voir, le patron de Iceberg va commencer à faire lui aussi. What you doing, man? What you doing, man? Plus tard, Roc-A-Fella sera revendu à 260 millions de dollars à la société Iconics Brands. Non, c'est pas ma boîte, hein, c'est Iconics. Moi, c'est Iconic, donc c'est un peu différent. Iconic. I'm very disappointed where Roc-A-Fella went. I never thought that could ever happen where Roc-A-Fella just not relevant. Bon, là, on va faire une petite avance rapide. Les rapports entre Jay et Dame commencent à se dégrader petit à petit. Ils décident de se séparer. Ils finissent par vendre leurs 50% de parts à Def Jam. Jay-Z devient le boss de ce label car Kevin Liles est allé rejoindre Lyor Cohen chez Warner. Alors, je t'explique. Tu as Universal qui est là. Juste en dessous, tu as UMG, Island Def Jam. Et juste en dessous, tu as Def Jam. Et donc, UMG, Island Def Jam, c'est là où Lyor Cohen se trouvait. Et juste en dessous, c'est là où Kevin Liles se trouvait. Ces deux-là travaillent tout le temps ensemble, ok? Lorsque Lyor Cohen est parti chez Warner, Kevin Liles l'a rejoint au bout d'un certain temps parce qu'il ne s'entendait pas avec la personne qui avait pris la place donc, de Lyor Cohen. Et donc du coup, le gars qui était juste au-dessus, qui avait donc le poste chez Island Def Jam, devait trouver un président, un CEO de Def Jam qui soit à la fois bon et qui en plus de ça soit crédible. Et c'est donc là qu'il est allé chercher Jay-Z. Donc Jay-Z a revendu toutes ses parts à UMG, donc la maison mère, et a pris la place de président chez Def Jam. Inutile de préciser que lorsque Dame et Biggs ont revendu Roc-A-Fella, ils ont complètement quitté le navire. Hein, parce que voilà, maintenant Roc-A-Fella, ça brandit la bannière Def Jam à 100%. Ce qui veut dire que Dame et Biggs allaient devenir les employés de Jay-Z. Et tout le monde sait que Dame Dash déteste être l'employé de qui que ce soit. Et au passage, Jay-Z de son côté a pu racheter l'ensemble de ses masters. Parce que lorsqu'il a fait initialement cette collaboration avec UMG et qu'il possédait une part de Roc-A-Fella, forcément il possédait une part de ses masters. Mais lorsqu'il est devenu président, il a récupéré 100% de ses masters. Et que cela signifie d'être boss d'un label comme Def Jam en 2004. C'est 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires généré dans l'année. Et pour ce qui est de Jay-Z, c'est très simple. Et il dit aussi, ce que je veux, c'est ouvrir les portes à d'autres dirigeants noirs dans l'industrie de la musique. Je ne pense pas qu'il y en ait assez des nôtres. Je veux briser le plafond de verre, mais pour cela, je dois avoir une vraie position dans cette industrie. Et ça, ce qu'il vient de dire là, c'est très important pour comprendre comment Jay-Z fonctionne et comment Jay-Z a installé son influence. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Et en 3 ans, Jay-Z fait quelques gros moves chez Def Jam. Sa stratégie est de signer de véritables artistes et non pas un single. Il veut des artistes complets qui sachent apporter de la valeur ajoutée sur plusieurs années. Et parmi les artistes qui ont le plus cartonné qu'il a signé, tu peux compter Rick Ross, Jeezy, Nas, son pire ennemi, Neyo et bien sûr notre Riri adoré. Mais par contre, il faut dire que Jay au départ n'était pas hyper convaincu sur Rihanna. This outrageous song called Pony Replay, and he played that song for me, and I was scared. I was like, that song is too big for, you know, a new artist. When a song is that big, it's some, you know, it's hard to come back from. And then, you know, he kept going, Jay Brown, he kept being persistent. I was like, you know what, bring her by. We signed her that night. We didn't let her leave the office. Really? The 3 in the morning. Et de Ponder Replay à aujourd'hui, Rihanna fait toujours partie du roster de Jay-Z. Si ça, c'est pas fou. Giga a toujours compris l'importance de la représentation. En effet, au début de sa carrière, Hove est en quelque sorte un hors-système. Il se fait rejeter, comme je te l'ai dit, à plusieurs reprises des maisons disques et il décide d'emprunter un chemin qui est un peu plus compliqué et moins populaire, l'entrepreneuriat, ok? D'ailleurs avec des fonds avec une provenance assez... on sait pas, voilà. En guise de symbole de hors-système, en réalité, dans cette période-là, il se sert de l'imagerie de la mafia italienne, que ce soit dans ses covers, l'ambiance de ses clips, même des fois ses instrus. Donc tu vois en fait que le truc de A à Z, c'est vraiment un truc de hors système, de quelqu'un qui gagne de l'argent d'une manière pas forcément honnête, etc. Il n'est pas dans le système, il n'est pas comme les autres. Ça, c'est au début de sa carrière. Et donc, lorsqu'il devient une superstar à la fin des années 90, là, ça commence un petit peu à changer. Il devient la ghetto superstar, il est plus fédérateur et donc il fait rêver la rue avec l'opulence qu'il disait vouloir obtenir en 1996. Par exemple, il crée ce culte autour de la basket Air Force One, on la porte qu'une seule fois et ensuite on change, etc. Donc, une basket par jour. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui ont fait rêver le ghetto. Parfait, moi, j'ai déjà du mal à avoir des chaussettes identiques tous les jours et lui il change tous les jours de paire de sneakers. On joue pas dans la même cour, je crois là. Et en fait Jay-Z, Dame et Biggs développent une espèce de street bourgeoisie à cette époque là. Et c'était le meilleur moyen de toucher ces communautés qui soutenaient le rappeur. Et Dame Dash lui par exemple se baladait dans les rues de New York avec un majordome. Majordome! Non mais on est où là? Et puisqu'il fume, pourquoi pas avoir un rouleur professionnel, tiens. Et donc lorsqu'il est sur le point de mettre fin à sa carrière de rappeur et que Def Jam veut faire de lui son PDG, il devient Sean Carter le businessman. Un an avant de prendre ses fonctions de président, tu pouvais le voir adopter un style vestimentaire plus sobre en portant notamment des chemises ou en adoptant le All Black Everything. Et c'est dans cette période-là qu'il a fait change clothes et que tout le monde a arrêté de porter des maillots de basket. T'as capté? Et lorsqu'il était PDG, on le voyait très régulièrement porter des costumes. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, si tu tapes sur Google Jay-Z, tu le verras en costard sur toutes les premières photos. Tout cela est fait exprès. Le pouvoir de l'image. À ça, tu peux ajouter lorsqu'il décide d'apparaître sur la Forbes list parmi les rappeurs les plus riches du monde. Parce qu'il faut savoir que pour apparaître sur cette liste-là, il faut accepter. Et Jay-Z accepte tous les ans. Il y a beaucoup de gens très riches dans le monde du hip-hop, comme par exemple Jay Prince, qui n'apparaissent jamais dessus. Et d'ailleurs, pour continuer sur Forbes, il s'est retrouvé à déjeuner avec Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Et dans cette même période, il a commencé à faire copain-copain avec Obama. Jay-Z, I love you back. Et tout ça, mon ami, c'est pour être apprécié auprès de l'Amérique mainstream. Et parce que lorsque Jay-Z commence à avoir un succès mainstream, un succès international à partir de l'année 2000-2001, là, il a plus envie d'être hors système et ça n'a jamais été son but d'être hors système. Lui, son but, c'était de rentrer dans le système et d'atteindre son pic. Et c'est pour ça que dans cette période-là, il a commencé à accepter d'être président de Def Jam, qui à l'époque est le plus gros label hip-hop, pour avoir le contrôle, pour comprendre comment ça fonctionne et pour pouvoir aider et corriger les problèmes. Et de l'autre côté, lorsqu'il a commencé à faire copain-copain avec Obama dans la politique, c'est pour commencer justement à influencer aussi de ce côté-là. Et lorsqu'il déjeune avec Warren Buffett, c'est pour commencer à parler à une Amérique beaucoup plus corporate. Donc le gars en fait se développe sur tous les axes. Il a toujours la culture hip-hop, il commence à aller sur la politique et aussi auprès de l'Amérique corporate. Et autre chose, dans les années 2000, il a commencé à sortir avec Queen Bee, Beyoncé. Ils ont commencé à ériger ce qu'on appelle un power couple. À ma connaissance, avant Jay-Z et Beyoncé, ce terme-là s'appliquait que au monde de la politique et peut-être du business, mais je sais pas trop qui, mais plus de la politique. Avec Jay-Z et Beyoncé, ce terme-là s'est appliqué aussi au monde de l'entertainment. Et dans le hip-hop, c'était du jamais vu de voir un rappeur se marier avec une chanteuse et avoir une relation longue. Le rappeur avait qu'une réputation de player à cette époque-là. Mais là, il a réussi à nous prouver le contraire. Même s'il y a eu des hauts et des bas, tu vois. Mais ils sont toujours ensemble. Ça doit faire 20 ans ou presque 20 ans. Donc tu peux être un homme noir, être un rappeur, être en relation publique avec une femme noire extrêmement célèbre et en plus de ça avoir une relation longue, une famille. Aujourd'hui, quand tu vois un couple se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a à un moment donné une référence à Jay-Z et Beyoncé parce que c'est le power couple par excellence. Et de mémoire comme ça, ça n'existait pas vraiment avant. Ou du moins, c'était pas aussi big. Et businessment parlant, Hove a commencé à bénéficier d'une couverture médiatique qu'il n'avait pas avant quand il a commencé à sortir avec Beyoncé. Il a commencé à apparaître dans les tabloïds, il a commencé à apparaître dans les magazines féminins, chose qui n'arrivait pas avant. Et aujourd'hui, quand tu vois leur posture, elle est clairement royale. Quand tu regardes le projet en commun qu'ils ont sorti ensemble, The Carters, tu te rends bien compte qu'ils font énormément de références à la royauté, en particulier dans leur clip Ape Shit. Le fait que Jay-Z rappe devant le tableau de Napoléon, où Napoléon se sacre lui-même et ensuite sacre sa femme, ce tableau-là veut dire en gros que Napoléon s'est fait lui-même et c'est exactement ce que Jay-Z vit avec Beyoncé. Ils se sont fait eux-mêmes. Autre preuve, les gens appellent Beyoncé Queen Bee. Donc il y a encore cette notion de la royauté qui est là, tu vois. C'est un couple royal à l'américaine qui s'est fait par eux-mêmes, en fait. Et c'est ça leur valeur ajoutée aujourd'hui. À eux deux, ils prouvent qu'il est possible d'arriver à un très haut niveau en commençant de pas grand-chose, en tout cas pour ce qui est de Jay-Z. Et ça, pour les nouvelles générations, c'est super important, surtout dans la communauté noire américaine où les pères de famille sont pas vraiment présents. Donc là, il a une influence, une vraie influence. Donc avoir une famille unie, être corporate, avoir son business, être apprécié de tous, c'est plus du tout de leur système. Le but là, comme je te l'ai dit encore une fois, rentrer dans le système au plus haut niveau. Et donc ce modèle de power couple t'a influencé d'ailleurs plein de rappeurs, hein. Je pense notamment à Meek Mill avec Nicki Minaj, Drake qui a essayé maintes fois avec Riri. Ah, à chaque fois que je vois ces extraits, j'ai mal pour mon gars, Drake. Riri aussi, elle est dure, quoi, elle brise l'équerre des gars. Ça fait mal au cœur. You know, rock him, man. Constant elevation causes expansion. I live my life by that right now. So when you tight and you say I only do this, you constrict yourself. Ouais, Jay a vraiment vécu sur ces phrases de Rakim. Pour revenir sur sa présidence chez Def Jam, Jay se sentait trop étriqué, trop limité là-bas. La seule chose qu'on lui demandait, c'était de signer de bons artistes et de ramener des hits. Or, lui avait un projet beaucoup plus grand. And you know, I was knocking on the doors of all the powers that be. It was like, yo, you understand? Like, I can do more. You know, it was just like, no, just bring some hits. And I was like, well, then, you know, I gotta move on. On voit une multitude d'opportunités se créer, que ce soit en termes de partenariat avec les marques ou alors en création de produits pour les artistes. Et ces choses-là, les labels, traditionnellement parlant, ne gèrent pas ça. Aussi, autre chose ultra importante, ils voient que l'industrie de la musique est en train de muter. Et clairement, les labels, les majors ne voient pas du tout la chose bouger. Ils restent dans leurs habitudes. Ils comprennent aussi que le pouvoir de ces labels va commencer à diminuer tout doucement parce que le marché de la musique, déjà à la fin des années 2000, ne se portait pas très bien. Et donc, il voit cette situation-là et se dit qu'il faut qu'il apporte sa solution. Et c'est pourquoi il lance en 2008 Roc Nation, qui initialement est né d'un partenariat avec Live Nation pour des concerts. Le contrat pesait 150 millions $. Mais très vite, Roc Nation s'est présenté comme étant une agence de talent. Et on dit aussi des fois que c'est une agence full service pour l'entertainment. Donc il propose beaucoup de choses. Un label, il fait aussi du management sportif avec Roc Nation Sport. Il propose différents services. Il ne se cantonne pas à la musique contrairement à ce qu'il a vu chez Def Jam. Et parmi ses clients, tu peux compter notamment Rihanna, bien sûr, depuis le début, J. Cole, Meek Mill, Lil Uzi Vert, Alicia Keys ou encore DJ Khaled. Roc Nation est différent de Roc-A-Fella, même s'il y a quelques similitudes. Mais l'une des différences les plus observables, c'est que Roc Nation n'est pas que dans le hip-hop, c'est mainstream. Tu peux avoir des artistes rock, des artistes R&B, etc., etc. La rémunération des artistes à leur juste valeur va être l'un des points centraux de la création de Roc Nation. Artistes mais talents en général. Il part d'un constat simple, l'ensemble des artistes et sportifs ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Les artistes ne possèdent pas leur master pour la plupart et les sportifs, on les fait signer quelques contrats en début de carrière, on les aide pas à gérer leur argent et lorsqu'ils sont en retraite, 5 ans plus tard, ils sont sur la paille. Et Jay-Z, ça ne lui convient pas. Et son but avec Roc Nation et Tidal va être de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et pour les plus sceptiques qui pensaient que Roc Nation Sport allait se casser la gueule, figure-toi qu'aujourd'hui, ils ont plus de 70 athlètes dont Kyrie Irving et Kevin Durant. Du côté de Tidal, le succès est moins absolu. Mais c'est déjà plusieurs millions, je crois 2 millions de personnes inscrites sur Tidal, dont moi, et c'est lourd. Franchement, c'est super lourd Tidal. Et il figure parmi le top 3 des plateformes qui rémunèrent le mieux les artistes. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a une vraie démarche qui consiste à corriger les problèmes existants dans l'industrie de la musique. Et le fait justement qu'il y arrive, c'est ça aussi qui a permis à ce que son influence soit exponentielle, parce qu'il a prouvé qu'il pouvait vraiment corriger ses problèmes. Hors système au début de sa carrière, dans le système, et aujourd'hui il est dans le pic de ce système. Aujourd'hui qu'il est dans le pic, il essaye de le changer un maximum. Je te donne quelques exemples. Il soutient et accompagne Meek Mill dans la réforme du système judiciaire américain. Son but est de faire baisser radicalement le nombre de personnes qui sont placées injustement sous la supervision du système judiciaire. Aux US, tu as des gens qui investissent dans les prisons parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et gagner de l'argent avec les prisons, ça veut dire quoi? C'est mettre des gens dans ces prisons, les faire travailler, bref. c'est tout un business. Et Jay-Z essaie de combattre ça avec Meek Mill. Et donc, il essaie de faire libérer un maximum de gens. Et quand je dis libérer des gens, c'est pas des 6ix9ine. Hein. C'est pas des gens qui vont payer des mecs pour aller tirer sur d'autres personnes et qui vont aller ensuite au tribunal voir la juge et balancer tous les noms des gens qui ont tiré pour lui. Non, c'est pas des gens comme ça. C'est des gens qui peuvent être des gens comme toi et moi qui sont nés dans des contextes socio-économiques assez particuliers. Et donc Jay-Z et Meek Mill ont lancé un mouvement qui s'appelle le Reform Alliance. Et donc ce mouvement a été lancé suite à l'incarcération de Meek Mill en 2017. Et ce mouvement peut compter le soutien de beaucoup de personnalités très influentes. Je pense notamment à Robert Kraft, le propriétaire de l'équipe de football américain les Patriots, ou le fondateur de la société d'investissement alternatif Third Point de Daniel Loeb. Toujours dans cette même dynamique de lutter contre le système carcéral, Jay-Z s'est associé à Yo Gotti, un autre rappeur, pour porter plainte contre une prison qui se trouve au Mississippi. Cette prison, tu iras voir dans le compte de Team Rock, tu as 3600 personnes dans cette prison-là, détenues dans des conditions inhumaines. Sans parler des avocats qu'il a payés à 21 Savage lorsqu'il allait être renvoyé au UK, des impôts aussi qu'il a payés pour Lil Wayne en passant par les frais judiciaires donc de Meek Mill. Jay-Z a fait de l'aide financière aux rappeurs sa spécialité. Et pour ce qui est de la NFL aujourd'hui, Jay-Z est partenaire de cette association sportive. J'en ai parlé sur ma vidéo de Colin Kaepernick et sur ma vidéo de Jay-Z, donc tu iras voir. Il y a eu quelques soucis, d'ailleurs je te laisse me donner ton avis là-dessus si tu sais de quoi je parle. Mais sinon, tout ce que tu dois comprendre, c'est qu'il essaye encore une fois avec la NFL de rentrer dans le système et essayer de comprendre comment il fonctionne et essayer de le corriger de l'intérieur. Son deal avec la NFL lui donne la main sur le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. D'ailleurs, le show que tu as vu cette année avec Shakira et J-Lo, c'est à Roc Nation qu'on le doit. Et il a aussi la main sur Aspire Change. Et Jay-Z a réussi à convaincre la NFL d'investir 100 millions $ sur les 10 prochaines années dans cette association pour faire avancer les choses. Donc si ça, c'est pas infiltrer le système au plus haut pour le corriger, je ne sais pas ce que c'est. Et si tu veux mon avis, je vais finir avec cette déclaration, ça m'étonnerait pas que dans 10 ans, ou peut-être même avant, ou peut-être après, il se présente aux élections présidentielles américaines. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ce que Donald Trump nous a prouvé, c'est que tu peux venir de l'entertainment, être milliardaire et finir président des États-Unis. Pourquoi pas Jay-Z dans ce cas-là? Si ça arrive, ça risque d'être une situation assez particulière. Un ancien dealer de crack devenu président des US. Franchement les gars, je pense que c'est possible. J'ai dit ça sur cette vidéo, on en reparle dans 10 ans si j'ai raison, parce que quand tu vois comment il est dans la politique, dans le monde corporate, dans l'entertainment, sa femme qui a tout le monde dans l'entertainment, tout ça, je pense que ma théorie n'est pas infondée, tu vois ce que je veux dire? Donc donne-moi ton avis en commentaire, je veux savoir ce que tu penses de Jay-Z. J'ai dit beaucoup de choses, hein. Donc j'attends de ta part des commentaires. J'attends de ta part un maximum de commentaires, des partages, des likes, des encouragements, ça fait toujours plaisir. C'est le retour des LSD les gars. Bon, nous on se dit à la semaine prochaine. N'oublie surtout pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je lance des mini-vidéos sur mon compte privé où je parle de l'actualité, etc. Donc si tu veux plus de contenu de ma part, suis-moi sur mon compte perso. Sur le compte d'Iconic, on est en train de lancer beaucoup de projets, en plus des posts, en plus des débats qu'on a tous les jours. Donc n'oublie pas de me suivre aussi là-bas et aussi n'oublie pas de t'inscrire sur la mailing list. Je commence à envoyer des messages de motivation et bien sûr les LSD avec les extraits musicaux et plein d'autres choses, articles, etc. etc. Donc inscris-toi aussi là-bas. Bon, on se dit à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!